Tous les dimanches matin, le groupe des radioamateurs MTE se réunit à la maison de jeunes L'Éveil. Voici une interview de Monsieur Le Tocard qui nous en dit un peu plus sur l'association. Actuellement, dans le local du radioclub MTE, ce qui signifie montage, transmission et électronique, et vous voyez ici rassemblées toute une série de personnes qui sont passionnées par la radio. Et donc, ce sont des radioamateurs. Et pour être radioamateur, on a besoin d'une licence qui est accordée par l'IBPT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radioamateur? Un radioamateur, il se sert d'une série d'appareils électroniques, mais principalement, évidemment, d'émetteurs-récepteurs. Avec ces émetteurs-récepteurs, il a devant lui une grande quantité de possibilités. Il peut transmettre par phonie, donc avec un micro. Il peut transmettre, suivant d'anciens modes, avec de la CW, du Morse. Il peut transmettre suivant des modes digitaux. Donc, à ce moment-là, on se sert d'un ordinateur qui est couplé à l'émetteur et on envoie du texte à d'autres correspondants qui vont répondre. On peut également transmettre via satellite. On peut transmettre aussi en envoyant les ondes sur la Lune qui vont rebondir et revenir vers la Terre. Évidemment, il y a encore d'autres possibilités pour les radioamateurs. Ils peuvent construire leurs antennes, ils peuvent construire leur matériel. Vous voyez ici toute une série d'objets qui ont été faits par les radioamateurs. Pour ceux qui seraient intéressés, on peut nous contacter ici au local du club tous les dimanches matin entre 9 et 12 heures, 48 rue Joseph Poters à Ransard, dans le local de L'Éveil, soit à l'adresse on4lgd@hotmail.com, soit visiter notre site on5mte.be. Merci beaucoup.